Monsieur Moladpreur, bonjour. Bonjour. Alors, le marché pétrolier gagné par la panique. Le 2 janvier à ce jour, le pétrole a perdu 25% de sa valeur. Il a atteint son plus bas niveau, 50 dollars. La raison, le coronavirus qui a engendré une diminution de la demande mondiale avec la baisse de l'activité en Chine. Réunion de l'OPEP demain et après-demain. Des mesures seront prises ou adoptées selon vous? La situation, est très complexe, je ne dirais pas assez complexe, très complexe. En fait, c'est un contexte qu'on ne pouvait pas imaginer, à savoir un blocage de l'usine du monde qui est la Chine. Hein. 400 millions de Chinois sont confinés, 65% de la production qui est à l'arrêt. Ça veut dire que c'est une crise de moyenne durée. De moyenne durée, ça veut dire au minimum 6 mois, hein, et qui affecte lourdement l'économie mondiale. Ça veut dire que la demande mondiale risque de ne pas connaître la croissance qu'on lui espérait. Bon, le prix du pétrole s'en est ressenti dans la nuit de dimanche à lundi. Il a dévissé de 30%. Hein. Il s'est repris légèrement. Hein. Donc il est en train en fait de tester à la baisse le seuil des 50 dollars le baril. Alors que le consensus des experts pensait que 2020, les prix allaient fluctuer autour d'un pivot de 65 dollars le baril. Et donc, il est même testé le seuil de 70 dollars le baril. Donc, nous sommes dans une situation inconnue et je dirais imprévisible. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Moladpreur, la Chine a elle seule consommé près de 5,7 millions de barils jour en 2003. Depuis, ce chiffre a triplé à 14 millions de barils, ce qui représente 14% des besoins mondiaux. Certains experts et analystes parlent déjà de choc pétrolier. Ce n'est pas à écarter? Je pense que les conditions d'un choc baissier, cette fois-ci d'un choc et non pas d'un épisode baissier, parce que les perturbations occasionnées par le pétrole de schiste américain qui est flexible, dont la production est flexible, hein, dont les coûts de production ont tendu à la baisse, hein, pouvaient être caractérisés comme un épisode. Là, ce que nous risquons, c'est un véritable choc baissier. Ça veut dire que les prix peuvent descendre autour des 40 dollars le baril très facilement. C'est-à-dire que l'économie mondiale, aujourd'hui, fait une croissance de 2,4%. Alors, il faut savoir qu'avant la crise de 2008... La croissance, les cinq années avant 2008, la croissance économique mondiale était autour des 5%. Hein. Et là, les prix du pétrole avaient atteint un pic historique de 147 dollars le baril en juillet 2007. Bon, là, on est à 2,4%. Le FMI anticipe une baisse de 0,1 à 0,2% de la croissance mondiale, mais le consensus des experts tend à prévoir une baisse de 0,5%, c'est-à-dire que la croissance mondiale descendrait en dessous des 2%, ce qui sera très très lourd, très 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 lourd pour la demande pétrolière qui va l'AIE déjà prévoit une croissance de la demande de 825 000 barils par jour.
plutôt que on était autour des 1,4 million de barils par jour, il faut le savoir. Hein. Baisse de la demande, baisse drastique des prix sur les marchés mondiaux, on est face à un véritable choc pétrolier, ce n'est pas à écarter. Ce n'est pas à écarter, il y a une forte incertitude. Et je vais vous dire une chose, la réaction des pays producteurs est compliquée. C'est-à-dire que ils ont, depuis le consensus d'Alger en 2016, en novembre 2016, la baisse, ils ont décidé d'une baisse de 1,2 million de barils par jour. En décembre dernier, ils ont porté, ils ont rajouté encore 500 000 barils par jour. L'Arabie Saoudite s'est dite prête à réduire de 400 000 barils par jour en plus, etc. Bon, le problème, c'est que, d'une part, l'OPEC plus, yani l'OPEC plus les 11 pays autour de la Russie, est prise dans un étau. C'est-à-dire, elle baisse les prix, la production américaine est en train d'aller de pic en pic, jusqu'à 13 millions de barils par jour. Donc, les États-Unis et tous les pays non OPEC le problème, c'est que l'OPEC perd des parts de marché. Et mon sentiment d'expert, c'est que l'effet d'une baisse risque d'être très court. L'effet d'une baisse de la production sur les prix risque de ne pas être durable. Mais justement, forte incertitude, éventualité d'aller vers un choc pétrolier, la situation risque d'être beaucoup plus dramatique pour l'Algérie, puisque 98% de nos recettes proviennent des hydrocarbures. Monsieur Prat. Alors l'Algérie, c'est une question, en fait, 34 milliards de dollars de revenus des hydrocarbures pour 2019. Des hydrocarbures. Là, bon, Anna, je suis d'un naturel optimiste, hein, mais bon, là, si ça part en vrille, on pourrait descendre. Anna, le premier semestre m'inquiète. Parce que je sais qu'il y a une inertie dans les tendances mondiales. Ça ne se résorbe pas d'un coup. Donc on risque d'avoir au deuxième semestre quelque chose, au final, quelque chose comme autour des 20 milliards de dollars de recettes. C'est-à-dire, il ne faut pas le souhaiter, hein. La pandémie a provoqué un ralentissement mondial, une perte de confiance des consommateurs, une diminution des voyages aussi, donc de la demande, ce qui fait que on est dans une situation de blocage, hein. La Chine, c'est l'usine du monde, hein, donc c'est pas rien. Alors justement, par rapport à ce que vous déclarez, ça veut dire pour l'Algérie, nos revenus d'hydrocarbures qui ont atteint l'équivalent de 34 milliards pour l'exercice 2019 pourraient chuter à 20 milliards de dollars, pour être clair, pour que les auditeurs puissent nous comprendre. Monsieur Prat. Bon, c'est ce que vous avez dit. Bon, je ne le souhaite pas. Mon rôle d'expert, c'est... nous, les experts, on essaye toujours d'imaginer le pire pour avoir de bonnes surprises, d'accord. Donc les recettes vont fluctuer, pour dire les choses de manière dans un sentier entre 20 et 34 milliards de dollars, d'accord. Dans le meilleur des cas, on est autour des 34 parce qu'on a une contrainte de volume. On n'a pas notre production, nos exportations baissent parce que les 20 dernières années, les investissements qu'il fallait faire pour développer l'amont algérien n'ont pas été faits, parce qu'on a joué avec la législation, etc. Une série de facteurs traumatisants, anxiogènes et répulsifs pour les compagnies internationales ont fait que nous n'avons pas de volume aujourd'hui suffisant.
Alors l'OPEP inquiète pour le pétrole, convoque une réunion à la demande de l'Algérie qui préside actuellement le cartel. Est-ce qu'on peut considérer qu'il pourrait y avoir éventuellement un consensus pour baisse de la production? Bon, et redresser les prix, relativement. Bon, il faut savoir que l'OPEC+, c'est-à-dire l'OPEC et la Russie, avec les 11 pays qui autour de la Russie, c'est 50% de la production mondiale et 90% des réserves. Donc c'est un poids lourd. La Russie traîne des pieds, hein. Le président Poutine a dit que c'était pas alarmant, que le budget russe était calé sur 42,4 dollars le baril. Il faut savoir que la loi de finances Turner est calée sur 60 dollars le baril, hein. Bon, mais je pense que la Russie a envoyé le ministre de l'énergie russe, etc., ont envoyé des signaux encourageants. Maintenant, le comité d'experts, le comité technique avait recommandé une baisse supplémentaire de 600 000 barils par jour. La baisse devrait être entre les 600 000 et 1 million de barils par jour. L'Arabie Saoudite souhaite 1 million de barils par jour de baisse supplémentaire. Mais encore une fois, cette baisse, ça sera un signal pour le marché. Le marché est psychologique. Le marché fonctionne par la peur. Et ce qui lui fait peur aujourd'hui, c'est la propagation de la pandémie. D'accord ? Donc le signal que l'OPEC va envoyer au marché, il faut souhaiter que la réunion donc de jeudi et vendredi se termine dans de bonnes conditions. Le signal sera estompé par la peur qui frappe le marché, ce qui fait que les traders vendent les barils papier qu'ils ont par crainte qu'ils les vendraient moins cher demain. Voilà. Mais quand vous parlez de signal pour le marché aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer, même s'il y a accord pour la baisse de la production de pétrole au niveau de l'OPEP, ça va influer positivement sur les prix des cours actuellement, puisque la Chine consomme l'équivalent de 14% de la demande mondiale? Si la machine, chinoise ne reprend pas, bon, ça va être compliqué. 70% de la capacité de raffinage chinoise fonctionne à 70% beaucoup de pétrole est stocké dans des tankers en attendant d'être déchargé en Chine parce que ils peuvent pas décharger. Tout ça fait que ça rajoute à l'inertie, hein. Donc la Chine n'est pas prête de redémarrer. 400 millions de personnes qui sont confinées, 65% de l'économie qui n'est plus là. Donc l'effet de la décision va être, à mon avis, malheureusement, à mon avis, très court. Parce qu'en plus, les pétroles de schiste américains ne trouvent pas de débouché aujourd'hui. Mais pour l'Algérie, il faut s'inquiéter. Avec la baisse éventuelle de ces... Alors là, chauffez, je vais vous dire une chose. Je l'ai toujours prôné. Où on est dans la posture du chasseur, hein, et le chasseur court et le gibier est devant lui, hein, où on est dans la posture du gibier et le gibier court et le chasseur est derrière lui. D'accord ? Une crise, ce sont des menaces, ce sont aussi des opportunités. Là, nous avons 60 milliards de réserves de change. Nous avons une compagnie pétrolière d'excellence qui est Sonatra, qu'il faut renforcer, qu'il faut consolider, etc. Nous avons les moyens de manœuvrer. Il y a beaucoup d'argent, hein. Il y a beaucoup d'argent dans le monde. Il faut considérer la crise comme un challenge. Si on la considère comme un challenge, on peut la surmonter. Yanni, il ne faut pas être tétanisé quand je dis les prix vont les recettes vont évoluer dans un sentier entre 34 et 20 milliards de dollars. Hein. Le problème, il faut
profiter de ce coup, hein, pour donner un élan très fort aux réformes et à la relance de notre économie. Il faut, par exemple, aller chercher l'argent, mais pas, il ne faut pas aller comme en 86 vers les crédits à court terme pour financer les importations. Il faut utiliser l'ingénierie financière, l'intelligence des Algériens qui sont en Algérie ou qui sont à l'étranger, qui maîtrisent ces techniques, hein, pour pouvoir trouver des ressorts pour donner un élan à notre système productif. Alors, Monsieur Mourad Prom, je voudrais revenir avec vous sur cette déclaration du ministre de l'Énergie qui appelle l'Algérie à une action solidaire et rapide. Est-ce que cette déclaration démontre que nous restons fortement, encore une fois, attachés au citrocarbure? On n'arrive pas à diversifier notre économie. Moi, je poserais la question autrement, Souhila. C'est tout un paradigme qu'il faut remettre en cause. Nous ne devons plus nous suffire à être une source d'hydrocarbures pour l'économie mondiale. Nous devons postuler à être un acteur. Notre vulnérabilité vient de là. C'est bien d'être à l'OPEC, c'est bien de défendre les prix au niveau de l'OPEC, mais l'OPEC c'est 40% à peu près de la production mondiale. L'OPEC a perdu son rôle de swing producer, de producteur résiduel, parce que les pétroles de schiste américains sont flexibles, la production de Tahmel est flexible, donc quand les prix baissent, ils ferment les puits, quand les prix augmentent, ils ouvrent les puits. Donc l'OPEC est prise dans un étau, donc courir derrière l'OPEC, c'est courir derrière une chimère. Maintenant, en tant qu'acteur, on a besoin d'une paire de claques, je n'exagère pas. Il faut que nous ayons de l'ambition, que nous postulions à être un acteur à travers Sonatrach, à travers nos entreprises, nos universités, etc. D'accord. Cette situation de choc, c'est une perte de claque. Le choc, il faut anticiper l'évolution de la crise. Il y a un besoin de prospective essentiel. Essentiel. Comment va évoluer l'économie mondiale? Quels sont les scénarios probables, hein? Quelle est leur probabilité, etc. Et comment répondre? Comment tirer avantage? Les pétroliers, quand il y a une crise, on est toujours excité parce que quand il y a une crise, il y a des bêtes malades qu'on peut prendre. D'accord? La crise ne frappe pas que l'Algérie, elle frappe l'économie mondiale. Ça veut dire qu'il y aura des entreprises en difficulté. Il y a déjà des entreprises en difficulté. En 2008, Repsol avait acheté la compagnie Talisman. Repsol, c'est la compagnie espagnole. Elle avait acheté Talisman Energy canadienne pour 13 milliards de dollars. Elle a augmenté ses réserves de 55% et sa production de 75%. Vous pensiez que Repsol avait 13 milliards de dollars dans ses coffres-forts? Elle a fait des montages financiers, elle a eu recours à l'ingénierie financière, à son intelligence, pour tirer avantage de la crise et pour s'en sortir. Donc il faut anticiper un plan de sauvegarde de notre pays pour stabiliser les grands équilibres macroéconomiques. Il faut être offensif. Le déficit de la balance des paiements, il faut le contrôler, le contenir par une politique d'importation plus restrictive, parce que nous sommes en situation de crise. Hein. Il ne faut pas faire comme en 86, indiscutablement. Mais il faut bien comprendre que nous avons les moyens de passer cette crise à condition que nous prenions les décisions qu'il faut au moment
qu'il faut. Il y a les fenêtres d'opportunité, il faut il faut pas les louper. Mais justement, est-ce qu'on peut comparer la situation que nous vivons actuellement avec celle de 86? Vous avez dit qu'il ne faut surtout pas recourir au crédit à court terme. Il ne faut pas reproduire les mêmes schémas que ce que nous avons vécu par le passé pour ne pas tomber dans ce que nous avons subi par la suite. Les conséquences de la politique d'ajustement structurel. Dorca, on est dans une situation exceptionnelle. D'accord, l'Algérien est intelligent et patriote. Hein, il comprend. Maintenant, il comprend dans la mesure où on lui explique, où il est convaincu, d'accord, où il y a une vision, où il y a une stratégie, ok. Donc, penser comme en 86 qu'on pourrait, on avait commencé par importer à l'époque le programme anti-pénurie, etc., inonder le marché avec des produits importés, hein. Et ensuite, le choc de 86, on a continué à importer, mais en recourant à des crédits à court terme. Résultat des courses, on s'est retrouvé en cessation de paiement ensuite. On s'est retrouvé avec le FMI. D'accord ? Et les caisses vides. Et les caisses vides. Là, il faut se dire, nous avons une petite marge de manœuvre. Maintenant, il faut construire une vision. Il faut anticiper et un plan de sauvegarde et aussi un plan de relance de l'économie parce qu'il faut créer des emplois, il faut construire des logements, il faut que les entreprises nationales soient, c'est le moment ou jamais, hein, d'encourager l'initiative des entreprises, des universités, de toute l'intelligence algérienne pour trouver des solutions novatrices à la crise. On ne peut pas faire l'autruche en se disant on attend et on verra, peut-être que le coronavirus va s'arrêter et que tout va reprendre. Ça va pas reprendre. On a un premier semestre qui va être catastrophique. Et avec une diffusion de l'instabilité inédite au niveau de l'économie mondiale. Je dis bien inédite, c'est-à-dire que nous pouvons avoir un collapsus de l'économie mondiale. Il y en a déjà aujourd'hui, le driver de l'économie mondiale, les États-Unis d'Amérique, connaissent un ralentissement. À tel point que la Fed, la Federal Bank, a réduit son taux directeur de 50 points. Les pays occidentaux sont en train de réagir de manière intelligente. Les banquiers occidentaux se concertent pour réduire les taux directeurs de façon à encourager l'investissement. Les pays occidentaux sont en train de chercher des solutions à la crise. Alors, nous devons faire la même chose. Alors vous dites, c'est une situation de menace et opportunité, qu'est-ce qu'il faudrait faire impérativement? Libérer l'économie? Il faut libérer l'initiative, libérer l'économie, il faut accélérer les réformes, sortir de cette crise politique qui peut être un amplificateur de la crise économique, hein. Trouver des conditions de la cohésion sociale, hein, c'est absolument indispensable parce que il faut pas qu'on se retrouve en août ou en septembre dans une situation où les magasins sont vides, où les usines. Déjà aujourd'hui, avec toutes ces convulsions dans l'entreprise privée, avec tous ces patrons qui sont devant la justice, etc., ces entreprises qui sont à l'arrêt, ces travailleurs qui ne sont pas payés, les sous-traitants qui ne travaillent plus, les sous-traitants des sous-traitants qui ne travaillent plus, etc. Il faut une action résolue et plus que tout, il faut soutenir les entreprises publiques. Il faut soutenir les entreprises publiques qui parce que là, l'État a un levier pour relancer l'économie. Et parmi les entreprises publiques, il y a Sonatrach qui peut jouer un rôle de locomotive pour tirer la croissance nationale.
Mais ce qui est relevé aujourd'hui, M. Mourad Prore, c'est qu'à chaque crise, on parle de réformes, mais sans pour autant que les réformes n'aboutissent pour aller vers une économie véritablement productive, indépendante des hydrocarbures. Pourquoi on en est là? Même les entreprises existantes actuellement, le tissu économique est constitué pratiquement à 96% des TPE, les toutes petites entreprises. Avec les toutes petites entreprises, parce qu'on peut réellement parler d'économie productive. La question qui se pose, chauffer l'Allemagne, la croissance tahale est tirée par les PME. PME, pas toutes petites entreprises. Bon, par les PME. Donc, encourager les PME, il faut véritablement une politique de patriotisme économique. C'est-à-dire que instaurer de manière rigoureuse le principe de la préférence nationale. Indispensablement, le principe de la préférence nationale. Revenir véritablement vers un patriotisme économique. Qu'est-ce que c'est que le patriotisme économique? C'est pas le protectionnisme, c'est pas protéger des entreprises qui ne sont pas compétitives. Le patriotisme économique, c'est lorsque l'État crée les conditions de la compétitivité des entreprises nationales, en soutenant l'innovation, en soutenant tous les efforts pour améliorer la compétitivité, en soutenant vous parlez de micro-entreprises, les start-up, hein, en encourageant l'émergence de champions industriels nationaux, en soutenant les champions nationaux qui existent. Ça, c'est fondamental. À partir de là, on enclenche un cercle vertueux qui nous permet de sortir de la crise. Quand je vous disais vision tout à l'heure, et quand je vous disais l'Algérien a besoin de comprendre, d'être convaincu, quand il est convaincu, l'Algérien, quand Boumedine Lahmo disait Naklo Tarab ou Man Rahouch Al-Kharij, ou là quand il disait dans son discours de Biskra, les Hab Tilvazel Moulawana ou Zibda Rahouch Al-Kharij, les gens l'ont suivi. Parce que il y avait une vision. Il faut une vision. Le citoyen algérien est un citoyen exigeant qui a besoin de comprendre, d'être convaincu. D'accord. À partir du moment où il y a une vision, les sacrifices, parce qu'il faut bien appeler le mot, hein, utiliser le mot, hein, les sacrifices peuvent être, mais il faut qu'il y ait aussi une justice sociale. Qui fait que les sacrifices soient partagés, hein, que les plus faibles soient protégés dans cette crise. Parce que dans une crise comme celle-ci, il faut penser aux plus faibles, d'accord, aux régions qui sont défavorisées aujourd'hui, hein, singulièrement les régions pétrolières du Sud, notamment. Hein. Donc, une vision qui englobe tout cela. Et renforcer l'université de façon à ce qu'elle produise de l'excellence, de l'intelligence. Maintenant, la sortie de crise, ce n'est pas en 2020, mais on enclenche une dynamique de sortie de crise. Et on essaye de minimiser les effets de cette crise sur notre peuple et sur notre économie. Alors rapidement, quelles mesures à prendre en aval énergétique? Monsieur Prore, rapidement sur la question de l'auditeur. L'aval énergétique, c'est le raffinage, c'est la pétrochimie, c'est des échelles longues. Hein. C'est l'aval énergétique, c'est la production d'électricité. Et là, notamment dans la production d'électricité, qui est quasiment totalement produite avec des énergies, avec le gaz et avec les énergies fossiles. Donc, il faut aller vers la transition énergétique. Cette crise peut nous pousser, peut nous aider et nous pousser, à accélérer la transition énergétique. Quand je dis il y a des bêtes malades, il y a des entreprises d'excellence, des leaders technologiques dans les renouvelables en Europe, qui ont été massacrés par la concurrence chinoise. C'est le moment d'entrer dans leur capital, de monter des partenariats stratégiques avec eux, avec notre ensoleillement, avec... Yannick, la sortie de crise, ce n'est pas 2020, c'est certain. Mais enclencher un cercle vertueux, se mettre sur une tendance
haussière de sortie de crise. Oui, oui, oui. Alors, cette déclaration de M. Poutine, le président russe, qui dit que le niveau actuel des prix est acceptable. Moins de 42%, moins de 42 dollars le baril, c'est acceptable. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, entre demain et après-demain, l'OPEP, pas de consensus sur la baisse ? Anna, je suis chauffé. Ça va se passer entre 600 000 et 1 million de barils par jour de baisse. Il y aura un consensus sur la baisse ? Je pense qu'il y aura un consensus sur la baisse parce que autant M. Poutine que les dirigeants des pays OPEC et non OPEC, membres de OPEC+, hein, savent que le coût est très dur. Hein. Donc, je pense qu'il y aura un consensus. Maintenant, à quel niveau un million de barils par jour serait souhaitable? Ça maintiendrait les prix autour de 50 ou moins de 50 dollars? Autour de 50 dollars le baril, mais je vous dis, ça risque d'être très passager, ce soutien, cet effet plutôt sur les prix. Parce que les marchés sont psychologiques, les marchés sont tenus par la peur. Les traders vendent les barils papier qu'ils ont en portefeuille parce qu'ils ont peur de les vendre moitié prix dans 3 mois. C'est comme ça que ça se passe. Alors les jours à venir seront difficiles pour l'Algérie. Très compliqué. Déjà qu'on a une baisse quand même drastique de nos recettes, de notre matelas financier, autour de 60 milliards de dollars de réserves. Et avec un plan ambitieux de développement. Et une dette interne qui représente 50% du PIB. La marge de manœuvre est très faible pour le gouvernement. Ça, c'est certain. Maintenant, à mon avis, il faut allier, comme je l'ai dit, une accélération des réformes économiques, une anticipation. Un effort prospectif sur l'évolution de la crise et communication. Il faut que la communication entre l'État et la société soit renforcée. Il faut que la confiance soit restaurée. C'est fondamental. Quand vous parlez aujourd'hui de solidarité inter-algérienne, qu'est-ce que vous entendez? Il faut se retrousser les manches, commencer à travailler sérieusement pour diversifier notre économie. Il faut se retrousser les manches, ça veut dire encourager l'initiative. J'ai des élèves, j'ai beaucoup de jeunes qui ont envie de créer leur entreprise, qui ont envie de créer des emplois et de la richesse, mais qui sont embourbés, qui embourbés dans dans la bureaucratie et l'administration qui reste, etc. Il faut vraiment faciliter la création d'entreprises. L'imposition des jeunes entreprises doit être regardée de près. S'ouvrir sur le monde. S'ouvrir sur le monde, y compris le fait que la règle des 51-49 a été remise en cause, sauf pour les secteurs stratégiques, les hydrocarbures, les industries de défense, l'énergie, etc. Là, c'est indiscutable. Mais attirer les investisseurs étrangers, utiliser les ressources de l'ingénierie financière, l'intelligence des Algériens pour trouver des moyens financiers. Le problème, ce n'est pas d'aller s'endetter comme un pays qui ne sait pas quoi faire, qui met le Sénat, qui n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Voilà ma conclusion. Monsieur Mourad Preur, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. Merci.